putain! Oh, ce que t'as mis. Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Arma 3 en mode RP sur Altis Life. Et je suis toujours en compagnie de Monsieur Ross. Salut. Et je suis aussi avec Max. Yolo. Et cette fois-ci, les amis, nous allons faire la prise d'otage. Oula, what, le véhicule, putain, il a bugué là. Nous allons faire la prise d'otage la plus épique jamais vue sur Arma 3. Non, je rigole, ça va être une prise d'otage un peu de débutant. Mais écoutez, nous allons essayer. On n'a jamais fait, donc allons voir. Oh. Et qui c'est qu'en hélico là, c'est... Oh tiens, Francis. Ah, c'est Francis. Donc Francis est un hélico, bien sûr. Bah, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous me verrez conduire l'hélico, n'est-ce pas, Monsieur Ross? Avec vous deux à l'intérieur, d'ailleurs. Attendez, non, on va pas déconner. Mais mec, la douane, tu penses qu'il y a des flics là, la douane? Bah oui. Ils sont que 9 policiers. Il y a un hélico qui est au-dessus actuellement. C'est bon, vas-y, passe. On les allume un peu là, c'est trop duc, et puis voilà. Attends, tiens. La douane est safe, ou pas? Pour l'instant pas, mais il tire. Ouais, c'est bon, on arrive, on les écrase, hein, c'est bon. Ok, on va faire comme Monsieur Mika. Ouais. Il a pris d'otage noir, on ne prendra pas ces deux, c'est qui? La prise d'otage. Et où c'est que tu comptes la faire? Dans quel bâtiment et tout, à peu près? Mec, non, t'es sérieux? Tu m'écoutes en plus? Non, tu m'écoutes? Non. Tu m'écoutes? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, il y a des gens, Wow! Il y a un strider. Oh putain, c'est bon, on passe pas, Mais t'es cinglé, toi, mec, hein? Merde, il m'a vu, je crois. Oh! Roule. Mais t'es fou! Il y a des mecs. Tu les vois, genre, ouais, je sais, il est en train de braquer un machin qui est. Vers vous, il y avait un strider. Oh non, c'est la gendarmerie. Quoi? C'est la gendarmerie. Vite, fonce. Fonce. Oh putain. Oh là là, mais elle a pris d'otage, elle va même pas commencer. T'as été fort, elle était gilée à partir de là. Les gendarmes, Quoi, où ça? Nulle part. Va te faire foutre. Ah là là, qu'est-ce que j'aime vous faire chier à vous tous. Derrière là, il y a un mec, non? On peut pas le prendre en otage là? Oh, il y a une voiture derrière là, juste derrière nous. Ah là, ouais, qui ouais, se barre. Ouais, j'avoue, sachez. Go, le mec se barre là. Il a coupé les phares, tout droit sur la route. Là, il fonce. Il suit la route principale, hein. Ok, tu penses qu'il peut nous entendre là, d'à partir... Ah, il a tourné. Il a tourné dans la rue, dans la ville. Il a tourné à droite dans la ville, là il repart. On le survole là. Merde. Ok, on le suit toujours. Eh, arrête-toi. Ok, il fait demi-tour. Ok, on pouvait faire des tirs de sommation ou pas? Ouais, vas-y, fais tir sommation. Vous tirez en sommation, il doit s'arrêter. Ok, comment je fais là? Je peux pas me mettre en... Attends. Je peux pas tirer de copilote. Là, je me suis. Hein. Au pire, essaie de t'approcher et je vais essayer de lui dire de s'arrêter. Je pense qu'il va nous entendre. Arrête-toi! Arrête-toi! Ouais, refus de nous écouter, hein. Lui tire dessus. Ah ouais, mais on peut pas lui tirer dessus. Ah, il fallait te mettre en passage. Ah ouais, c'est ça le truc. Pour le nom. Putain, ah, il est chaud le mec, hein. Il va rien lâcher, hein. Ok, t'es droit sur lui, Il est là. Oh. Bien joué. Il est encore vivant? Merde, il est mort. Non. Oh, il est mort. Oh non. C'est le seul moyen de le stopper. Ah bah ouais, c'est le seul moyen, il voulait pas s'arrêter. Mais bien fait pour sa gueule. Oh, le con. Putain, c'est chiant ça. Ah ouais, mais il est con le mec, putain.
J'ai pas de radio, donc Francis, va falloir que tu fasses le message. Clairement, tu dis. Clairement, tu dis. On a un otage. Tu mets les coordonnées. Comment appeler ça? Qu'on les encule s'ils n'ont pas l'argent. Mec, la négociation se met par hélico, donc ils viennent sur l'île par hélico. Mais même là, ça fait un peu flipper là, votre île là. Et limite max de personnes en fait, ce serait pas mal ça. S'il y a que deux flics, mec. 500 000 par tête. Putain, on va se prendre des argent là. Mais oui. Bah ouais, mais attends, 500 000 par tête, putain. Alors là, j'aurais cherché un autre otage pendant 20 ans, mec. Hein. 500 000, bordel. Ah, c'est pas l'économie de Gemod ici. Hein. On est des apprentis en prise d'otage. Voilà, c'est la première. On en fera d'autres. Oh, mais la prochaine, je veux qu'elle soit. Avec des flics en otage. Ah ouais, la prochaine, je veux qu'elle soit magique. On cherchera le danger. Moi, ça va être chaud, je négocie où là? Négocie au milieu. Ah putain. Tu serais ton garde du corps négociateur. Moi, je serais le mec le plus vulnérable. Exactement. Oh bordel. Ils ont répondu ou pas? Ils ont répondu ou pas? Oui, il a dit qu'ils avaient répondu. Ouais, ils ont répondu. C'est la recrue qui arrive. Ouais, c'est bon, hein, moi, mon cerveau met du temps à réagir. Au pire, on prend la recrue en otage. Bah attends, c'est une recrue, c'est une recrue qui va arriver. C'est une blague, c'est une blague. Ouais, il va arriver un hélico et tout, le mec. C'est une blague qui m'a répondu. Le mec, il est GAV, il débarque en hélico et tout. Mec, tu sais que les recrues, ils ont des petits flingues. J'ai peur de tirer sur le bidon où il y a un feu dessus. Non, je te conseille de pas tirer. La recrue m'a envoyé, vous êtes où? Je lui réponds. Vous êtes où les gars? Il a dit la recrue. Pourtant, je lui ai mis les coordonnées. Oh là là, bah voilà. 13, 5, 15, 21. La prise d'otage est pas finie avec la recrue. Coordonnées. Oh putain. Putain, le mec, il a déjà oublié où on était. On se rappelle demain quand il sera arrivé. Qu'est-ce qu'il est con, putain. Mec, il m'a appelé les gars. Il a dit vous êtes où les gars. Je crois qu'on est mal parti avec lui. Vas-y, je vais tirer sur le tonneau là, sur lequel t'osais pas tirer. Non. Qu'est-ce que t'as fait? T'es sérieux? Va te faire foutre, Mika. Mec, je te jure que j'ai tiré sur le tonneau. T'as rebondi sur moi. T'as pris un ricochet de balle. Mais elle est con. Oh, oh. Non. On a besoin d'un soigneur. Ne dis pas que ça vient. Appelle un médecin. La pensable est arrivée. J'ai des trous de poids, monte, j'ai des trous de poids. Non, tu peux pas, c'est bon, il y a des médecins. Dis que vous voulez un médecin. Dis-leur qu'ils appellent un médecin. C'est les flics. Ok, il y a les keufs. Putain, ça me dit. L'otage rentre. L'otage rentre. Voilà. Ouais, l'otage est là. T'emballes, hein. Il y a fait un crime. Bonjour monsieur, vous avez pas mal quelque part, tout va bien? Non, ça va, j'ai connu mieux. Vous avez pas faim, vous avez pas soif? Non, ça va, ils me nourrissent, ils me donnent à boire, ils sont assez cool avec ça. D'accord, très bien. On veut juste le fric. On va parler de ça, monsieur. Bien, et amenez un médecin ici, là, parce qu'il y a mon ami qui s'est pris une balle perdue, là. D'accord, monsieur, je vais appeler mes équipes. Ouais, appeler un médecin. Pour les appeler, monsieur. Allez, venez, on va discuter autour d'un café en bas. Alors, donc pour les 500 000 dollars, oui. Il va falloir que je contacte aussi mes équipes pour qu'ils puissent me les amener ou parce que je peux pas vous faire un virement, monsieur. D'accord. Alors, monsieur, vous savez que cette somme est assez conséquente. Il va être très difficile de réunir cette somme. La vie d'un homme, monsieur. Possible que vous... La vie d'un homme. Tout à fait, monsieur. Mais il serait possible de baisser un petit peu le prix, monsieur, parce que. Ouais, 499 000 dans ce cas-là, je vous demande. C'est encore trop, monsieur, ça change quasiment rien pour 1 euro, monsieur. Bon, écoutez, monsieur, déjà 499 000, si vous comprenez bien, ça fait pas 1 euro, ça fait 1000 euros. De plus, je vous demande 500 000. J'ai le droit de demander ces 500 000. Je connais très bien les lois fédérales. Je demande les 500 000. Mais que vous le vouliez ou non, en fait, monsieur. C'est moi qui commande ici. Malheureusement, vous êtes tout seul, vous êtes venu ici. Nous, on est un peu disposés un peu partout sur l'île. On a des visus sur tout le monde. On sait tout ce qui se passe à tout moment. Ce que je vous demande, c'est les 500 000. Je suis tout seul et il n'y a personne tout autour, hein, monsieur. Non, mais ça, c'est ce que vous croyez. Moi, il y a tous mes amis autour. Croyez pas que je suis arrivé seul et qu'il n'y a que l'homme en haut qui surveille l'otage. Maintenant, je veux que vous vous dépêchiez, que vous trouviez ces 500 000. Je vais pas négocier le prix. Il n'y a pas à négocier. De toute façon, je veux 500 000. Si on n'a pas les 500 000, vous inquiétez pas que je vous fais votre fête.
et je fais la fête à l'otage aussi. Donc, trouvez les 500 000, monsieur. Moi, mon nom, oui, monsieur. C'est Raznov Patrikak. Vous connaissez ce nom? Non, pas du tout, ça ne dit rien. Ouais, Patrikak, n'oubliez jamais ce nom. Je vais devoir appeler mon équipe pour savoir... Ouais, c'est un peu long, là. Moi, attendez. Oui, c'est pour ça. Que je les ai... Ouais, je vous laisse encore 3-4 minutes. Hein. Il y a son groupe là qui ramène les 400 000. J'ai négocié 400 000 du son coup groupe. Parce que. Ouais, apparemment. Son groupe, ouais, ça me paraît super. Ouais, ouais, si mais. S'ils sont armés, dis-leur que c'est une tête. Hein. Ah ouais, y'a pas de souci. De toute façon, il sait qu'il a la mort si. S'ils arrivent en groupe armé. Ah. Le convoi s'est fait braquer donc je vais devoir aller les aider. J'en ai pour 2 minutes. Non, hors de question. Ça, je vous dis, c'est hors de question. Vous remontez pas dans votre hélico, vous redécollez pas tant qu'on n'a pas l'argent. Ça, je vous le dis direct. Je suis déjà bien gentil, monsieur, d'avoir négocié pour les 400 000, alors que c'était 500 000 de base. Là, vous me dites que vous devez partir et tout. Non, mais foutez de ma gueule. Vous voulez que je bute l'otage ou quoi? Ça se passe comment? Non. Eh ben voilà, donc, écoute-moi bien, la petite recrue, là. Tu vas bouger ton cul, me faire amener les 400 000, et presto, parce que là, franchement, j'ai pas que ça à foutre, que tu te sois fait braquer ou quoi, c'est pas mon souci. Moi, mon souci, c'est ta vie et celle de l'otage. S'il y a un problème, bah, je te bute et je bute l'otage. Moi, je me casse. J'aurai pas l'argent, mais je m'en fous. J'aurai votre mort. Ça sera déjà un bénéfice. D'accord, pour monsieur. Moi. Donc, je vais appeler mes équipes et je vais dire qu'elles se démerdent. Et presto, là. Problème, alors, ça arrive? Ok, il y a une personne qui arrive dans une minute, là. Elle est toute putain, proche. Putain, heureusement qu'il arrive dans une minute et plus vite que ça. Parce que, putain, hey, avec vos tripes, je me serais fait des guirlandes de Noël. Pour mon sapin de Noël, ça aurait été parfait, ah ouais, votre trip. Quoi. Oula. Ah non, ça va aller. Puis après, j'aurais pris votre tête, qui aurait été bien sûr découpée votre corps, et je me la serais empalée, vous voyez? Ouais, et mis sur votre empalée. Aussi comme bijou, non? Non, n'allez pas trop loin. S'il vous plaît. Vous allez où, là? Oh, vous allez où, là? Je vais voir le bateau, monsieur. Je vais voir le... On va voir le bateau. Où il est? Par où il est? Où votre bateau de merde? Ok. Du calme. Je prends pas trop l'eau. Oh, la petite gazelle là. Nous on est équipés, on court pas aussi vite. Il est où votre bateau à la con là? Je peux juste voir si qu'il arrive par là. Parce que... Il est où? Moi je vois rien. Moi non plus je vois rien. C'est... Oh, de toute façon, il vous reste que 4 minutes c'est là. Il vous reste moins de 4 minutes maintenant. Ça, ils vont sous-marin ou ça se passe comment? Putain. Je sais pas du tout. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Reste là! Reste là! Qu'est-ce qui s'est passé là? Tirage. Il vient de se faire tuer. Il y a un flic qui a rushé dans le bâtiment. Ok. Toi t'es mort. Il s'est passé quoi, Sacha? Il est mort. Flic abattu! Ils sont où? Ils sont dans l'étage de la maison. Putain, je les ai pas vus rentrer. Oh le salaud, il nous a fait une diversion. Je l'ai abattu, hein. La recrue. Hein. Toi t'es vivant ou pas, Max? Ouais, je suis vivant, j'attends juste le bon moment pour le shoot. Hélico! Y'a encore quelqu'un par moi là? Hélico, oui, y'a moi, mec. Ross, t'es où? Allô? Oui! Ah ouais. Allô? Oui, t'inquiète, je suis là. Ok, je vois rien du tout. Hein. Je vois rien. C'est vrai. J'ai shooté hélico. Ok, mais il y a quelqu'un encore tout près d'otage. Il bute un flic. GG. Ils sont où là les flics? Il y en avait un dans la maison, il est mort. Ok, je vois un flic. Ok, je vois un flic. Je vois un flic débarquer là. Flic qui va débarquer dans la maison. Mort. Flic mort. Max, Francis est mort, je crois. Ok. Comment on fait là? Rien. On peut même pas prendre l'hélico, mec. Oh putain, on a pas les clés. Non. Ok. Oh, t'as oublié. Je vais me faire taser. Fais gaffe, y'a le commissaire qui est dans. Ok, je l'ai vu.
Il est à la fenêtre, il est où? Dis-moi, dis-moi. Dis-moi où il est. Dis-moi où il est. Il est dans le coin de la maison, il arrive à la porte du chemin. Ok. Porte en bas, de ton côté. Ok. Il va décaler, vas-y. Oh! Je l'ai buté! Ouais, par contre, je l'ai buté. Ok, comment je peux faire? Ah, je sais. Ok, je vois l'hélico. Oui! Putain! Oh, ce que t'as mis! Putain, vous avez tué tout le monde? Je crois, j'ai entendu des tirs encore. Merde, merde. Non, merde, merde. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire ce que vous voudriez voir la prochaine fois en action RP. Et puis moi, je vous dis à ciao ciao pour une nouvelle vidéo. Salut.